Chers auditeurs, bonjour, ravi de vous retrouver. Cette semaine encore, Klezmer Attitude va vous proposer de la musique juive. Et cette semaine, j'ai choisi de vous présenter ou de vous faire passer des piyoutim et des nigounim. Donc, c'est le cœur de la musique juive, c'est de là qu'elle est partie et qu'elle s'est développée. Et c'est ce que j'essaye de vous montrer semaine après semaine. Mais on revient au début de l'histoire. Piyoutim, c'est quoi les piyoutim? Ce sont des chants religieux juifs qui sont basés sur des poèmes qui font le plus souvent l'éloge de Dieu ou l'éloge de la relation entre le juif et son Dieu. Et ces piyoutim, c'est à la fois de la poésie et de la musique, et c'est beaucoup le monde séfarade qui l'a développé. Et j'ai trouvé un disque qui est sorti en 2017, donc ça fait 2 ans, mais que je n'avais pas remarqué jusqu'à présent. Ça s'appelle Arba Otiot, les 4 lettres, qui partent des 4 lettres du tétragramme du nom de Dieu, et qui sont des piyoutim chantés par cet ensemble de chanteurs marocains qui s'appelle The Piyout Ensemble. Qui est israélien et qui a enregistré une douzaine de ses piyoutim. Et donc je vous fais écouter le premier, Adom Amonai Elokeinu, par le piyout ensemble. Shabbat Kodesh, Ul Yom HaShabbat Kodesh, Ul Yom Shisha LaChodesh, Hatan Kalato Kidesh, Keshevet Achim Mato. Sinika dos honenu, hasinika dos honenu, zanre.
le Piout Ensemble, donc ensemble de musique israélien, qui a interprété un piout, donc un chant religieux de la tradition marocaine. Et ce chant-là, c'est extrait d'un recueil de Piyoutim qui a été écrit par le grand rabbin kabbaliste Yaakov Abouhatsira, qui est donc un juif marocain, un rabbin marocain de la région du Tefilatet et du 19e siècle, et qui était très versé dans la Kabbale. Et l'ensemble de ses poèmes, de ses Piyoutim, sont une expression de cette tradition kabbalistique qui a parcouru tout le monde séfarade pendant des siècles. Et donc cet album-là présente une douzaine de ces piyoutim qui ont été mis en musique et qui ont été donc interprétés. Il y a à la fois des chœurs, des solistes et quelques instruments, de la percussion, un luth qui illustre tout ça. Et on est vraiment dans le cœur le plus profond de l'expression artistique, musicale du judaïsme. Je vous laisse écouter un deuxième morceau, donc toujours de cet album Arba Otiot par le Piout Ensemble, et ça s'appelle Yom HaShabbat Tov Leodot. Zoom.
Yom HaShabbat, Tov Leodot, du Piyout Ensemble.
Et voilà, ça c'est la tradition musicale séfarade qui passe beaucoup par ces piyoutim et ces chants religieux et qui ont été après, qui ont donné une branche plus laïque de chansons séfarades. Mais là, on était plutôt dans l'aspect religieux. Du côté du monde ashkénaze, la tradition aussi existe, mais elle a été développée de façon différente. Ce sont les nigounim. Les nigounim qui sont surtout une tradition chassidique, pour s'opposer à la tradition kabbalistique des juifs séfarades. Et c'est le plus souvent, cette fois-ci, des chants sans paroles, qui sont chantés par les chassidim pour, et qui sont répétés à force et à force pour essayer d'atteindre une espèce d'extase par le chant et par la danse. Et ces chassidim, je vous propose de les écouter dans un nigoun, donc un nigoun sans parole, très traditionnel, qui a été enregistré à la volée par des chercheurs de l'Université hébraïque de Jérusalem pour laisser une trace de cet aspect musical du judaïsme chassidique. Donc je vous laisse écouter un nigoun chanté par des chassidim. La 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 la
Voilà, c'est tout à fait une autre tradition, c'est tout à fait une autre, un autre modèle musical que celui des nigounim, que celui, pardon, des piyoutim, mais c'est le monde ashkénaze et c'est la version religieuse de la musique du monde ashkénaze. Allez, on va revenir et on va terminer avec le piyout ensemble, hein, qui a fait le fil rouge de cette émission. Arba Otiot, c'est cet album, donc un très bel album, très traditionnel. Et on va terminer avec Yachid Ram Yehirot Hoshef, donc un piyout du Rabbi Yaakov Bratsera. C'est très authentique, c'est très beau, et ça va vous permettre de passer une très bonne semaine. Ya mashal shel biya shi ashfa ashfa ashfa.